premier livre retenu dans notre tiercé gagnant du prix de l'essai L'Hebdo, c'est la grande adaptation de Romain Feli, qui se demande si le capitalisme n'est pas en train de récupérer le problème du réchauffement climatique pour accroître son pouvoir sur le marché. Qu'en pensent nos jurés ? Pour moi, c'est vraiment le bouquin pavé dans la mare. Une espèce d'ambiance catastrophiste. Quelques idées sympas. Il te surprend, et puis il te prend par la main, et puis il te balance. Une thèse qui flirte avec le marxisme. Assez dans l'actualité. Deuxième livre du tiercé gagnant, Plus jamais esclave, d'Aline Helg, revient sur 300 ans d'émancipation des esclaves aux États-Unis. Un livre engagé, un livre qui change ta perspective sur l'esclavage. Contrepoids à l'histoire officielle. On voit un travail de fond. Ça renverse ta perception de la servitude en général. Enfin, dans Le jour où mon robot m'aimera, le psychanalyste Serge Tisseron s'intéresse à nos liens affectifs avec les robots humanoïdes. Un titre un peu accrocheur. Ouh là ! J'ai trouvé que ce livre avait son utilité. D'un autre temps. Un thème très actuel. J'ai beaucoup aimé le fait qu'il permette la réflexion.